bonjour, bonsoir, ça dépend de un qui l'a, mais qui compte pour recevoir nous. C'est Founijé qui, encore une fois, entre la CAO, nous porter pour toute nouvelle qui a dominé l'actualité, tant sur le plan local que sur le plan international. Gros point cap dominé actualité qui fait qu'en tomber là, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, le Canada est dans nos murs. Eh bien, Canada, yo foule sol pays d'Haïti là, officiellement, restez branché si vous t'arrivez à connaître de quoi il s'agit, qui moun sa yo qui dans pays d'Haïti, qui sa yo vini faire dans non Canada, dans pays a. T'as le tout détail pral vini dans édition nouvelle ça. L'autre gros point qui est dans l'actualité, tu as gagné un gros ministre dans le gouvernement Ariel Henry qui a visa li coupé, visa américain, monsieur t'a coupé là et monsieur pas qu'à rentrer dans le pays des États-Unis, il était branché, nous parlons fort qu'on est qui est-ce t'a l'heure comme ça. Et puis une source officielle fait qu'on est que les États-Unis voulaient coûte que c'est Canada qui prend tête mission, qui va entrer dans le pays d'Haïti pour faire intervention, pour finir avec insécurité dans le pays. Nous allons venir avec un détail tout à l'heure comme ça, sur nouvelle ça. Et puis, j'ai noté sur publié tout à l'heure là, il y a une déclaration qui fait jeudi dans une conférence pour la presse par Moïse Jean-Charles, côté que lui annoncé officiellement que lui remplacer Madame Eugénia Gromain par Madame Françoise Villiers dans tête KTPS là. Si tu as aimé des déclarations ça, après, au fin de garder vidéo ça, ou qu'a toujours aller chercher lui. Dans la dernière vidéo qui était publiée sur Chanel Nouan. C'est point ça avec quelques autres qui peuvent faire essentiel. Édition nouvelle ça, nous invitons à rester branché. Merci infiniment vous-même qui t'a quitté un like, qui t'a partagé et qui t'a quitté un commentaire dans la vidéo ça. Fait atterri sur Chanel ça. Bienvenue sur Chanel Grande Puissance là. Merci infiniment pour ce pour cliquer kounya la même sur s'abonner puis activer petite cloche notification pour capable toujours rester connecté avec nous et recevoir une notification chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo. Pas oublier un like dans vidéo ça dans toute l'autre vidéo nous pas oublier tout dis nous qui côté ou approcher nous comme ça n'a bon gros coup de chapeau pour notre prochaine vidéo nous. Merci infiniment ou même qui va regarder vidéo ça du commencement à la fin qui prend like, qui prend commenter et qui pourra le partager sans plus tarder, n'a pas directement dans le développement information. Nous partons. N'a pas commencé avec information ça, mesdames et messieurs. Haïti insécurité, la police scientifique a fait connaître que yo joine environ plus passé 9 douilles de fusil T-65 dans le lieu côté que yo été attaqué journaliste Robertson Alphonse mardi qui saute passé à dans Delma 40B qui donc selon enquêteur l'état semblait tête coupé effectivement à une tentative d'assassinat qui était faite sous journaliste là mesdames et messieurs. L'autre gros nouvelle qui tombe là, eh bien, dans l'idée pour aider le pays d'Haïti résoudre la crise que l'on connaît aujourd'hui. Actuellement, on a parlé avec là, il y a une délégation canadienne qui trouve li dans le pays d'Haïti pour être capable de faire une évaluation de situation. C'est ça que nous apprenons que le ministre Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly, lui-même, l'a annoncé aujourd'hui. Et il fait connaître que délégation ça li là pour li mesurer ampleur situation dans pays d'Haïti pour Canada lui-même li capable porter une réponse qui appropriée. Toujours dans même sujet ça, et bien délégation Canada ça qui est dans pays d'Haïti t'a semblé que effectivement c'est puisque les États-Unis d'Amérique yo voulaient coûte que coûte là c'est Canada qui pour prendre tête intervention militaire qui gagne pour fête dans le pays d'Haïti. Selon Radio Canada, mesdames et messieurs, c'est information de source officielle que nous avons là. Les États-Unis voulaient à tout prix que leadership dans le cadre d'envoi force étrangère dans le pays d'Haïti soit assuré par le Canada. Je ne vous dis ça. Et c'est dans le but ça que une mission de 2 jours a fait dans le Canada là. Mission ça, il y a en tête le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui lui-même a accompagné avec Brian Nichols, côté qui a rencontré avec le premier ministre canadien Justin Trudeau, et puis ministre Affaires étrangères là, Mélanie Joly, qui donc les États-Unis a joué pieds et mains là pour que Canada accepte
prend tête mission étrangère ça qui va gagner pour lui entrer dans le pays d'Haïti. Il a semblé que le Canada a commencé à céder puisque il est envoyé en mission d'évaluation sur le terrain. Il n'est que d'attendre à chaque fois que l'information est tombée. Wap Genio à chaud sous Chanel ça seulement rete branché et puis pas oublier abonner, quitter un like, partager vidéo nous. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, il y a un rapport qui sorti là dans l'inspection générale de la police nationale qui révélait que M. Karl Henri Boucher n'a pas de responsabilité dans l'opération qui était fini mal le 12 mars 2021, côté que plusieurs policiers soit ont perdu la vie dans le village de Dieu. N'a songé que l'inspecteur Boucher, c'est lui-même qui a dirigé l'opération ça. L'inspection générale a fait connaître que l'institution n'a pas retenu en rien. Et contre inspecteur A, et monsieur toujours fait partie de l'institution avec même grade li. Dans ça qui a eu avec force étrangère qui a pour entrer dans le pays d'Haïti que les États-Unis a négocié avec Canada là pour lui prendre tête li, on nous suivre un extrait dans ce reportage ça, on a tourné tout de suite pour l'autre nouvelle. Ou pas t'a dit c'est un papa qui fin fait un petit cap chercher un autre garçon qui pour occuper dans place li. Après plusieurs jours, il fin proposer résolution devant Conseil sécurité a. États-Unis a cherché coucher fou un pays qui pour prendre tête force intervention militaire internationale qui doit débarquer en Haïti rapide pour aller résoudre problème sécurité et humanitaire qui gagne souterrain. Américains ont voulu force ça déployer en Niger pour aider la police nationale à combattre gang yo qui gagne contrôle principal port et route important yo et puis aggraver crise économique, politique et humanitaire en Haïti depuis plusieurs années. Pour capable joindre un pays qui prend tête force multinationale ça, États-Unis prend bâton pèlerin pour aller chercher joindre l'état qui d'accord pour te chaise ça sous dol. Dans ce sens, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, dans tête collée avec assistant secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphériques la Brian Nichols, démarré une série de marches pour faire résolution yoté proposé à vignon réalité. D'après ça, Brian Nichols fait connaître hier mercredi, force multinationale ça États-Unis prévoit ta doué gen la donne principalement policiers avec tout quelques éléments militaires. Diplomate américain dit qu'il y a certains pays parmi eux, Canada, qui ont des compétences nécessaires pour ça. Cependant, M. Nichols dit qu'il n'y a pas de pays qui pral diriger force ça réellement. Moi, je parle sous situation Haïti avec plusieurs dizaines de pays partenaires dans le monde. Moi, je parle en pile là-dedans qui supporte l'idée pour gagner une force multinationale souterrain. Motivation pour contribuer dans le projet ça. Li commencé gayer tout partout, c'est ça monsieur Nichols déclaré dans micro journaliste. Dans un article qui sorti dans journal Miami Herald hier mercredi, assistant secrétaire d'État adjoint pour affaires hémisphériques l'a fait connaître, li même ak secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit rendre dans pays Canada jeudi à même côté apprêté jusqu'à demain vendredi pour capable rencontrer premier ministre canadien Justin Trudeau ak ministre des affaires étrangères Mélanie Joly. Haïti, c'est parmi sujet yo pral prioriser dans discussion yo. Brian Nichols dit Canada c'est un partenaire qui vraiment compétent dans plusieurs domaines avec une force l'armée solide et puis une force police nationale efficace, même si autorité canadienne yo réagi publiquement sous question sanctions qui prend compte gang ak moun k'ap financer yo, mais sous ça qui gen pouwè ak diriger une force en Haïti, yo poko jam di rien. Même si yo habitué bay support financier ak technique à police nationale là. Monsieur Nichols dit li confiant pour Jean échange yo pralé là, direction y a bay force multinationale là vin pi clair et li kwè d'ici commencement mois novembre k'ap vini là, tout bagay ta doué fait. Diplomate américain fait konnen, li confiant y a joine non seulement votre résolution nan Conseil sécurité Nations Unies, mais tout y a entendu yo sous mission ak direction force la pral pran. Pendant gros délégation ça dans Canada, gagnon l'autre délégation canadienne qui doit rendre dans Port-au-Prince semaine ça pour venir rencontrer ak acteurs haïtiens pour discuter sous crise là. N'a pas rappelé jusqu'à présent, gagn divers pays qui pas voulu rentrer dans démarche pour voyer une force militaire en Haïti. C'est cas pour pays la Chine ak la Russie qui dit manquer détails clairs sous composition force ça, mais tout yo douté pour mission ça par gaspiller l'argent sous prétexte yo pral mette la paix. Selon sa Miami Herald rapporté,
Même si États-Unis gagne espoir résolution li te proposé à pas adopter dans Conseil de sécurité a, mais yo prévoit tout pour yo prendre des mesures en urgence pour voyer force multinationale là en Haïti sans autorisation officielle Nations Unies. Pendant temps ça, gen discussion qui déjà commencé entre gros général dans l'armée américaine et canadienne sous cause insécurité en Haïti. Selon ça, l'armée américaine fait connait dans un communiqué, général en chef là Mark Milley parlait hier en téléphone avec homologue li dans pays Canada. Cependant, pas gagné un détail qui baille sous conversation ça d'après ça nous lit. Dans un article qui paraît dans agence Reuters matin. Depuis l'État Floride aux États-Unis. Luxon Saint-Ville. Dans l'autre nouvelle, mesdames et messieurs, gagné ministre justice pays d'Haïti, Berto Dorsey, si nous capable à croire une publication que journaliste John Colin Morvan fait sur page Facebook li là, monsieur t'a semblé perdu visa américain li et que li pas qu'à entrer dans pays les États-Unis. Berto Dorsey, ministre justice là, que non li avant même que li te fait partie de gouvernement ça, te concité dans problème déjà avec la justice, et bien monsieur gen visa li là qui t'a coupé une fois que information ça li t'a confirmé, n'a pote confirmation pour ou sur Chanel ça, mais pour le moment nous seulement cité journaliste John Colin Morvan. Mesdames, messieurs, nous parlons quitté avec la conférence pour la presse que René Civil a témoigné côté que il a fait des propositions et il a parlé de conjoncture politique dans le pays d'Haïti. Allez, Chesbao, vous pourrez l'attendre causer. Nous suivons extrait. C'est pour ça que je dis à l'émergence patriotique, fait une série de constats et à travers constats, ça y est. Il voulait porter proposition. Constat. Il y a un seul pays qui voulait rester zami. Il y a un seul pays qui voulait rester zami Haïti. Il voulait nous rester comme ça. Dans la misère, dans le grand goût, dans le chômage, dans l'insécurité, dans l'hôpital pas de gaz, dans l'hôpital pas de oxygène. Dans l'hôpital, pas de médicaments, insécurité de tous côtés, Matissan, Belle, La Saline, Cité Soleil, yon ap tuye l'autre. Intérêt zanmi sa, intérêt zot, vle pour nous tout perdi, pour lui-même sel gen. Tout moun ki nan peyi a, haïtien tout côté. Qui tout dans parti politique, dans gouvernement, dans secteur privé, dans société civile, dans secteur privé des affaires, dans secte religieux, dans société secrète, l'évangile, vaudouisant, c'est conscience pour nous prendre, pour nous joindre et pour nous reprendre souveraineté. Pour nous développer pays nous, et puis nous travaillons dans la coopération avec le pays nous décider. Nous n'avons pas besoin de ni dicter, ni de voir des maisons. C'est pour date amis, ça a dit aider nous. Qui date amis dit fait pour nous? Qui est-ce qui ouais ça amis ça a fait? Amis CIRH là. Côté COB reconstruction pays là. Côté COB logement social yo. Côté l'école yo. Côté route yo. Côté caillou yo. Côté l'hôpital yo. Côté université yo toujours à parler. 1915 yo vini, yo entré dans banque nou yo, yo prend toute réserve l'or nous que nous te possédé. Yo déchepillé, yo aller. 2004, zami te vini pour te renforcer police nationale. Côté renforcement ça passé. Zami te vini pour renforcer institution. Côté institution yo. Si nous voulons comprendre, yo di APD pourtant c'est crasé, yo vini crasé. Nous à peu près 60 minutes des amis. C'est bon voisin. Nous allons regarder combien de cob yo bay Ukraine qui n'a un autre continent bien loin.
Et puis Haïti, depuis quelque temps, il a crasé, il a brisé, il a braché, il a fédéré Negazam, il a coupé, il a lagué nous dans crise. Combien il y a eu? Il a divisé, il a régné. Qui donc? C'est nous qui lui prenons destin nous en main en tant que peuple. C'est mettre corps qui veut corps. Mais il faut que nous veillons tout. Parce que y a tellement besoin de prendre toutes les richesses que nous gagnons dans ce sol là. Y a tellement pas voulu nous vivre. Si vous n'êtes pas venu, débarquez en Chango acclamé, même un tremblement de terre, ou bien un caisse civil qui a provoqué dans le pays. Tendez bien ça nous dire. Y a tellement voulu prendre toutes les richesses que nous gagnons dans ce sol là. Yo pas voulu nous vivre tant que monde, tant que peuple, tant que pays. Y a bat pour descendre en Chango avec Goulamé. Sou ou yo pas venu. Même yon tremblement de terre ou bien la guerre civile yo ka provoqué dans pays ya. Faut nous veiller. Ça pas trop pour autre fait. Bon, peuple haïtien. Si nous pas gagne un tremblement la terre. Si nous n'avons pas gagné une guerre civile, pour qui ça toute institution qui dit que vous êtes amis Haïti, vous tout levé à Saint-Domingue. Vous avez mis le bureau au Saint-Domingue. Qui c'est un autre pays, on a pris un exemple, tant que Banque mondiale. Mais quand vous êtes là, même ambassade américaine, c'est Saint-Domingue qui voyez haïtien à faire demande visa. Pendant que vous connaissez bien, ça fait longtemps que Saint-Domingue pas bail haïtien visa encore. Comment il a fait à Saint-Domingue pour aller chercher visa? Nous songez, même en Misayo, tu es interdit à Haïti faire coopération plus que 2 milliards de dollars américains avec la Grande Chine pour nous aller traîner cuit dans le bail Taïwan pour seulement 150 pauvres millions de dollars. Alors que, facilement, tu fais Saint-Domingue, tu fais coopération avec la Chine pour même quantité comme ça. En basier, yo même là. Qui ça yo te dit? Si ce n'est pas un plan pour détruire nous, comme peuple, si ce n'est pas un plan pour faire nous tourner en province République Dominicaine, même Jean nous tape garder la main dominicaine, entrer Rouanamet, et puis tirer sous manifestants haïtiens sous territoire nous, c'est comme si ça pas tant. Quelques jours plus tard, soldats dominicains publiquement chirer drapeau nous et passer la bapie. Tellement moun yo pas vle nous capables de dégager nous-mêmes et de tête nous pour nous sortir dans l'insécurité tragique ça. Malgré nous faire effort pour nous acheter blindés et l'autre matériel, gardez ça au fait. Tellement moun yo pas vle nous avancer, pas vle nous développer. Yo crasé agriculture nous, pour diri pépé, poa pépé, maï pépé, rad pépé, et la trie. Et jodi a, quel grain de mango nous te kon exporte la kayo, yo interdit. Comme si, nous même qui nan pouvoir, kapawize, nous même qui nan secteur politique là, nous-mêmes qui dans la société civile, nous-mêmes qui dans la diaspora haïtienne partout à travers le monde, nous-mêmes qui dans le secteur privé, nous-mêmes la jeunesse, nous-mêmes qui s'efforce la ria, vaudouisants, catholiques, protestants, nous pouvons comprendre toujours qui les n'a pas compris. En tout cas, nous-mêmes dans l'émergence patriotique, cap vive et qui ouais. Yo maré Haïti livré par la communauté internationale là. Et c'est ça qui fait yo fédéré gang qui mène nous là, qui fait plus passer 44 000 timoun pas à l'école. Moun yo sans cœur, sans compassion, sans l'amour pour Haïti. Parce que yo dit criminel qui trouve là, cap détruit femme ou non. Crier et plein plus d'enterrement
Ça, c'est ça, oui. Nous, les amis, à faire. Et c'est peut-être ça. Émergence patriotique, comprendre. Et nous décider. Nous, avec partenaires, nous, avec alliés, nous, pour nous lancer un cri d'alarme. Pour nous demander avec toute force nous et courage nous, pour que tout secteur soit qui gagne accord, soit qui n'a recoupement politique, non allié, secteur privé des affaires, pour presser, presser, pour joindre un consensus, pour débloquer le pays, pour nous créer l'espoir, bâtir un autre avenir pour nous-mêmes. Pour petit tout, pour nous ne pas prendre humiliation, en attendant, émergence a travaillé avec Alielio en doctriner population pour nous mener combat pour reprendre souveraineté pays, même si ça prend du temps. Au moins, il y a 6 mois de déporter nous tant bêtes, il y a respecté nous et nous a fait fierté pays nous. J'en sens 7 nous ont fait. Même si vous sautez, même si vous bombez. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à une plus prochaine vidéo. Nous aimons en pile. Ciao, ciao. À la prochaine.